Vanny, première. Vanny, c'est une comédie musicale, avec une chorégraphie, une mise en scène, avec des voix, des corps, tout un univers qui vient nous raconter, nous suggérer, nous évoquer la société dans laquelle on vit, avec l'évolution d'une personne, son insertion sociale et son évolution personnelle. Hey, vous là, dans l'ombre, oui, vous êtes impliqué. Bienvenue. Je vous souhaite, Masta. Willkommen. 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 Hey, leur dis pas tout. Laisse-les un peu rêver. C'est un conte de fées atypique entre drame et comédie. C'est en même temps une satire sociale. Et j'ai écrit ce texte pour dire à notre société que l'évolution d'une personne se fait à coup d'imaginaire, à coup d'aventure, et que la vie est un grand spectacle. Ce que vous allez voir maintenant est une pure retranscription de la réalité quotidienne. Ça promet. Vous allez assister à l'épopée la plus vile et la plus malsaine. Amen. Amen. Maintenant, taisez-vous. Je veux dire écoutez. Et ouvrez grand vos yeux. Chalope. Hé, Pantop. Il y a pas un Pékin ce soir. Ils sont tous au lit, les pigeons. Pris-le, tu pars. Tiens, regarde qui vient par là. Mais c'est les loulous de l'autre zone. Alors, on se couche tard ce soir. On avait des comédies musicales qui arrivaient des États-Unis, en nombre. Mais la France n'était pas encore prête. Ce qui fait que, effectivement, la presse a dit « Ah, une comédie musicale française ». Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Je vous arrête. Je vous arrête. Je vous arrête. Non, c'est moi qui l'arrête. Je l'ai dit avant toi. J'étais le premier. Je suis plus gravé. Qu'avez-vous à dire? Bah, j'ai tiré. Il est tombé, alors il peut sembler. C'est tout. C'est pas assez. Tu dois payer. Je me suis servi de l'univers des contes de fées et parfois ça tourne en drame et parfois ça tourne même à la dérision, ça peut même être immoral, pour au bout du compte arriver à l'histoire d'une vie, à l'histoire de quelqu'un qui lutte avec elle-même et avec la société entière. Non, je veux juste être riche. Comment cela s'est-il passé? Des témoins? Ma cliente ne répondra à aucune question avant que je l'ai entendue en privé. L'affaire est dans le sac. Vanity or
plus bas. T'es dans le trou, Vanille. Pour moi, créer une comédie musicale, c'est mettre en avant justement cette relation entre la danse et le théâtre, et la voix chantée, et la voix parlée, les mettre en relation en les faisant se fondre les uns dans les autres. La danse ne peut pas être simplement formelle ou esthétique. La peau fait pied. Ah, Madame le juge. Alors l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Ça, c'est un problème pour nous. Car s'il n'y a pas l'arme du crime, il n'y a pas. Elle ne voulait pas tirer. Elle a été obligée, forcée par la vie, la société, son lourd passé. Arrêtez ! Oh, bizarre ! Il y a un métier ! Ah, quel métier, un grand vilain ! Ah, parlez-moi encore. Et alors ? Debout ! Asseyez-vous ! Non ! Je demande à la cour indulgence, tolérance, compréhension, contestation, diffamation, disculpation, décision, digestion, persuasion, décoction, déclaration, détermination, résolution. Quelle preuve avancez-vous? Ben, je suis mort. Ce n'est pas une preuve. Installez-toi. Le jury, le verdict. Condamné à travailler à perpétuité. Condamné à ramer. À en baver. Condamné à s'assumer, à encaisser. Condamné. Si je revois les différentes séquences, on est vraiment dans la danse-théâtre. Par exemple, on a une équipe avec des balais, et ce sont des gens qui ont pour mission dans cette séquence-là de nettoyer. Et on est dans une séquence à la fois, je dirais, pédagogique, instructive. Il s'agit de donner du travail à Vanille, qui veut s'insérer socialement, et de lui demander de travailler pour la société. On lui donne un balai, une serpillière et un seau. Et là, on est vraiment dans une expression théâtrale avec les corps. Sinon, il y a effectivement toutes les chorégraphies autour du procès de Vanille, ou bien de la NPE. Il y a les défilés de mode, puisqu'elle devient mannequin dans son histoire. Et là aussi, les défilés sont vus en danse moderne, mais de façon théâtrale, avec du texte parlé, avec de la chanson. J'ai vraiment présenté un travail de comédie musicale, à savoir polyvalent, chorégraphique, mis en scène et chanté. Qu'est-ce que vous voulez ? Travailler. Non. Vous êtes sûr ? C'est difficile. Je sais. Et après ? Vous devez faire erreur. Vous êtes à la neveu. Je vous explique. Vous pouvez toucher la fere, le siffle, la locle. J'ai plein de produits à vous proposer. Mais je veux juste travailler. Elle veut juste travailler. Faut pas être pressé, hein. Mais oh, j'ai mangé pas le temps. Alors. Voilà les débuts de Vanille. On peut déjà se poser quelques questions. Réalisera-t-elle son rêve? Les paris sont ouverts. Déposez une bille rouge ou une bille blanche dans les urnes. Très bien, vous avez choisi. Ce n'est pas le choix que j'aurais fait, mais très bien. Alors on y retourne, hein, pour le bonheur.
Ok. C'est les roses. Ça promet. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, c'est gratuit.